Allez, bonjour, c'est Fred, votre coach pour cette troisième série de vidéos du mois d'avril. Avril-mai, vous savez, maintenant c'est englobé. On prépare l'été avec Clément. Et là, au mois d'avril, on est un petit peu plus sur la définition, le galbe musculaire. Aujourd'hui, je suis au sol, abdos-fessiers. On travaille les abdos, on travaille les fessiers et je referai abdos-fessiers. Grosso modo, 6-6-6-6 à peu près. On commence les abdos. Pour un ventre plat, on échauffe et on rentre dans le travail. Ventre plat. Quel meilleur exercice que le ventre plat pour le ventre plat que le gainage. Allez, venez, gainage. Venez vous installer. Puisqu'on prépare l'été, position plage. Ici, les avant-bras. Le bouquin, il est où? Ben, on n'en a pas besoin. Donc on plante les pieds. Allez, go. Ici, les pieds, les épaules. Le meilleur travail, c'est celui-ci, ce gainage. Si vous aviez mal au dos, possibilité de monter un petit peu les fessiers. Par contre, quand ça fera mal, quand ça sera dur, non. Ça, ça accentue la difficulté dans le dos. Ça, oui, pas de problème. Ça, non. Allez, on y reste. On rentre dans le travail, on échauffe un petit peu plus. Ça va chauffer tout le corps. Si vous arrivez à être fier, je vous en parle souvent ça, ça me va. Si vous avez besoin de poser quelques instants, on pose quelques secondes et on y revient. Ouais. Ça va. Allez, encore. Je vous propose 10 secondes de plus. 8, 7, 6, ouais, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez quelques secondes. Dans ce premier round d'abdos, on va revenir sur du gainage frontal et du gainage latéral pour bien travailler toute cette chaîne musculaire ici. En plus, vous l'avez vu avec Clément, vous s'êtes attardé sur l'ensemble du corps. Ça vous va? On y retourne? Gainage classique, normal? Allez. Venez vous mettre en place. 4, 3, 2, allez go! Hop! Si le tapis vous gêne là, on ramène. On reste bien fort dans le sol, de ne pas glisser. Allez, vous repartez pour au moins 30 secondes. Une petite pause de 10 secondes et 30 secondes. 3 séries au total. Je leur dis pas, vous le savez, si vous en avez besoin. Ça me va. Voire un seul genou. Et après on inverse. C'est possible aussi, hein. Ça limite un petit peu l'amplitude. Allez. Ouais. Allez. On est bien. On est fort. On sent ses abdos se transformer. Le gainage, c'est le meilleur exercice pour un ventre plat. Ce que vous avez besoin cet été, c'est un ventre plat sur la plage. Là, on y est. Voilà. 10 secondes de pause et on y retourne. 5, 6, 7, 8, relâchez tout. Voilà. 10 secondes. On relâche un petit peu les bras. On relâche un petit peu les épaules. Ça chauffe aussi, ouais. Et on y retourne. 2 sur 3 séries au total avant les obliques. 5, 6, 7, 8. Allez, go! Voilà! On pense à ce ventre plat. On sort la poitrine. Regardez mon ventre. Ouais, très bien. Ça me bat. Ça fait 10 secondes. En plus de ce gainage, vous aspirez le nombril. J'ai dit, vous serrez un petit peu plus fort. Voilà. Toute la pression se trouve là. Combien de temps? 10 secondes? Ouais, 10 secondes. 10 secondes. Ouais. Si c'est dur, restez concentré sur votre travail en baissant la tête. Là. Ça non. 5, 6, 7, 8. Sur votre gainage. Ça non. Tête, épaule arrondie. Non. Regardez vos mains. Restez concentré sur vous. Ça me va. Les 30 dernières secondes. Allez, go. Allez, go. En route. Donc, je l'ai dit. Oui. Non. Ça transforme toute la position. Non plus. Une ligne droite. Oui, toujours. Toujours, oui. 20 secondes. Allez. Courage. C'est le début, mais ça chauffe assez rapidement. Encore. J'en ferai d'autres du gainage, hein, vers la fin, en incluant le fessier aussi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1, relâchez tout. De cette position plage, on reste à une position plage sur le côté. Gainage latéral par contre. 30 secondes. Alors, avant de commencer, ça repose un petit peu l'épaule. Vous avez votre épaule qui est au-dessus du coude. Oui. Non. Oh, mal à l'épaule. Oui. Oui, aussi. Vous l'avez vu, Clément, ça. 30 secondes. Allez, go. Hop. La main où vous voulez. Mais pas là. L'épaule en avant. Dos arrondi. Non. Ici. 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 Il n'y a pas de souci. Par contre, fessier. Buste. Ouais. Voilà. Allez. Et on essaye d'enlever, d'éloigner les hanches du sol. Ah, encore. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Posez les hanches en douceur. Demi-tour. Deuxième côté. Et derrière, un petit peu de fessier. Mettez-vous en place. Rapidement. 4. 3, 2, 30 secondes. Hop. Allez, vous avez les fessiers contractés. Vous avez les hanches éloignées du sol. On travaille ici. Au choix. Au choix. Moi, je préfère la main là pour allonger la poitrine. On pense fier comme ceci. Et comme si on avait touché le plafond. Ça nous aide à monter. Allez. Encore. Il en reste 8. 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, relâchez tout. Allez, restez dans cette position. On fait un petit peu de fessier maintenant. Le moyen fessier. La semaine dernière, j'ai fait du grand fessier. Maintenant, je viens sur le moyen fessier ici. Comment ? En s'allongeant toujours sur le côté, mais en allongeant la jambe vers le bas. La jambe dans le prolongement du buste. On va retrouver l'amplitude et les petits. Ouais. Allez, go, lentement. Montez, montez, en bas. Pour l'amplitude, essayez de monter la jambe sans toucher la hanche, là. L'amplitude du bas, frôlez le sol et repartez. Frôlez, ne touchez même plus. En haut, en haut. Ça va arriver assez rapidement dans le moyen fessier. Un coup, rapide, lent, stop. Et on maîtrise, et on maîtrise. On lutte contre l'envie de vouloir redescendre rapidement. Hop. Allez. Hop. Un petit coup de pied là. Pam. Ouais, c'est ça. Pam. Allez, nickel, nickel, nickel. 4. 3. 2. Inversé. Lent, rapide. Lent, lent. Lent rapide. Si ça devenait dur, vous réduisez un petit peu l'amplitude. Vous fermez le pied sans accentuer la cambrure naturelle de votre dos. On monte au genou. Allez, on y retourne. Lent, lent, lent. Lent, lent, lent. Voilà. Pour finir cette jambe, 2, 2. Montez, montez, descendez. Est-ce que vous êtes toujours la hanche ? Engagez légèrement vers l'avant. C'est-à-dire que le genou appuie légèrement dans le sol. Non. Non. Oui. Ouais. 4. Je ne vais pas demander. Mais là, oui. On le sent. Parfait. Deux fois. Dernière fois. Et changez de côté. Allez, installez-vous pour ce deuxième moyen fessier. Quand on a bronzé d'un côté, on vient bronzer de l'autre côté à la plage. Mais là, quand on a travaillé un côté, on vient travailler l'autre côté en fessier. Allez. La jambe, le buste, les abdos. Ça vous maintient en place. Ça vous maintient en place. On lève. De deux. En avant. Montez. Montez. En bas. En bas. Hop. 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 Hop, 4, oui. 3, allez, on peut presque
accrocher un chiffon au pied et faire les vitres en même temps. Non ? Allez, rapide et lent. Rapide ! J'ai une tente. Hop ! On frotte les vitres. Et toi ? Encore. Hop ! Combien ? Combien ? Combien quand je demande ? En général 4. 4. 3. Et oui. 2. Un petit dernier. Un peu plus lent. La montée. Lent, lent, lent. Si ça chauffe. Lent, lent, lent. Samba. Lent, lent, lent. Et ça travaille toujours. Essayez pour voir. N'hésitez pas. Essayez. Voyez ce que ça donne. Je le sens là. On pousse le genou. Ça travaille toujours. Un petit peu plus facile. Moins de bras de levier. Et franchement, on le sent. N'hésitez pas. Hein. Allez. 2 et 2 pour finir. Montez. Montez. En bas. En bas. Et oui. Oui, oui. En haut. En haut. Et oui, toujours. Il reste combien ? 4. 3. Un petit dernier. On revient. On relâche tout. On revient sur un travail d'abdos où on combine un petit peu de fessiers et on termine avec du fessier. Revenez vous mettre en gainage. Gainage. Et je vais mettre un travail de grand, voire de moyen fessier sur votre gainage. Première série, gainage classique. Les avant-bras. On se redresse. 4, 3, 30 secondes de gainage classique. Hop. J'assiste toujours gainage. C'est vraiment le meilleur travail pour les abdos. On corrige peut-être sa position. Si vous resserrez les pieds, c'est un petit peu plus dur. Si c'était difficile et que vous voulez un petit peu plus de stabilité, ouvrez vos appuis. Pas de soucis. Ça me va. Comment vous êtes à l'aise pour travailler efficacement et sécuritairement. 10 secondes. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Relâchez. Ok. Je fais un petit peu de tasse. Pourquoi ? Parce que sur ce travail de gainage, je suis demandé de monter la jambe en contractant votre grand fessier. On travaille et sur les abdos et sur le fessier. Ouais. Remettez-vous en place. Là, il n'y aura pas une grosse amplitude par rapport à ce que je demande dans le galbe musculaire, mais plusieurs muscles sont engagés, donc un travail très efficace. Mettez-vous en place. Là, cette position plage. On y va, on monte, gainage, et là, jambe droite, jambe gauche, montez, et descendez, montez, et descendez. Je vous demande de contracter les abdos, et de contracter votre fessier, voilà, encore, montez, 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 voilà. Plus vous êtes stable, plus vous êtes fort au niveau de vos abdos. Plus vous arrivez à monter la jambe sans cambrer d'eau, plus vous travaillez sur votre fessier. Ah, en haut, en bas, en haut. Donnez-moi un petit dernier. Ok, relâchez. Oui. Oui, on le refait une deuxième fois, bien sûr. Ouais. Allez, prenez le temps de vous mettre en place. Ça vous donne un petit peu de pause. Ça fait du bien. Dans 10 secondes, on y va. Dans 10 secondes. Et après, du grand fessier au moyen fessier, toujours avec du gainage. En place. Allez, venez. 4, 3, droite et gauche. Droite et gauche. Si jamais c'était un petit peu dur, comprends. Ici, on monte et on redescend à partir des genoux. Ça me va toujours. Ça me va, hein. Tant que les abdos, le dos ne bouge pas. Ça me va. En haut. En haut. En haut. En haut. Il vous reste 10 secondes. 8. 7. 6. Allez, vous tenez le bon bout là. Accrochez-vous. 4. Un petit dernier. Ok, relâchez. Je vous propose de garder ce travail de gainage, d'ouvrir la jambe
sur les côtés ou les jambes sur les côtés, pour le moins les fessiers, mais sans toucher le sol. On ouvre, on pose. On ouvre, on pose. On essaye. Et après, je reviens sur les obliques. Un petit peu de pulse, comme vous avez vu avec Clément aussi. Mettez-vous droit en place. 4, 3, jambe droite, jambe gauche. Ouvrez et refermez. Ouvrez et refermez. Ouvrez et refermez. Voilà. Toujours pareil. C'est dur. Là, on ouvre et on referme. Samba. Côté. Et on revient. Oui. Ah, ça sera un petit peu plus dur. On le fait qu'une seule fois. Par contre, il en reste 4. Il en reste 3. Il en reste 2. Petit dernier. Ok, relâchez tout. Bon travail. Venez travailler sur vos obliques. Gainage latéral. Pulse. 30 secondes. 30 secondes comme vous avez fait dans les séries, les entraînements précédents. Statique, pulse. Statique, pulse. Définition musculaire. Le muscle sous tension musculaire. Allez, 30 secondes. Tout de suite. Montez. Stop. 30 secondes. 4, 3, 2, 1. Pulsion. Hop. On essaye de toucher le plafond avec les hanches. 4, 3, 2. Statique. Samba. Samba toujours. Quel est votre niveau? Ouais. Pulse. Voilà. Là justement on a plus d'amplitude. 5, 6, 7, 8. 30 secondes. 3 fois au total. Pulse. Hop. 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 5, 6, 7, 8. Changez de côté. Allez. Rapidement. On reste actif, on reste dans l'entraînement. 30 secondes. 3, temps fier. À vous de jouer. Hop là. On serre les fessiers qu'on vient de travailler. Ça pousse le bassin vers l'avant. Pulse. Et ça donne plus de travail. Yeah, yeah, yeah. Oui, yeah pour le travail. Stop. Yeah, yeah, ça c'est bon. Petit. Allez, encore, encore. 30 secondes, il en reste encore un. Stop. Allez, 4, 3, 2, pulse. 4, 3, 2, 1, stop. Allez, très bien. On revient sur un petit peu de fessier. Grand fessier, amplitude. Une variante, ce qu'on a fait la semaine dernière. À 4 pattes. On l'a fait sur la chaise la semaine dernière. Là, je vous demande à 4 pattes. Je vous demande à 4 pattes pour engager vos abdos. On peut le faire de deux façons différentes. À 4 pattes ou sur les avant-bras. Puisque je cherche un travail aussi abdominal, faites-le, s'il vous plaît, à 4 pattes pour stabiliser la position. Là, ici. Voilà, les coudes sont fléchis. Droit, on serre les abdos. Une jambe tendue vers l'arrière. Deux, deux. Montez, montez. Rappelez-vous ce coup de talon. Montez, montez. Sans accentuer la cambrure du dos. Ça, ça ne change pas. Montez, montez. 4. Si vous êtes équilibré, si les abdos vous tiennent, la main opposée ne sert à rien. Là, les abdos travaillent. Vous pouvez essayer chez vous. Rapide et lent. Stop. Et on redescend. Je mets face à vous. De cette jambe gauche, la main droite ne sert à rien. Ça veut dire qu'on est stable. Si ça bouge, c'est qu'il y a un souci dans les abdos. Ouais. Hop. 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 Lent, rapide. Lent, lent, lent. Talon, talon, talon. Maintenant, si vraiment c'était dur, là, ça me va. Mais le meilleur travail restera sur les mains. Donc essayez. Essayez au mesure du possible. Lent. Lent, 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 lent. Deux fois. Et cherchez à contracter cette fesse pour terminer cette jambe. Deux, deux. Montez, montez. En bas, en bas.
Voilà. Il en reste combien, comme d'habitude? 4 fois. 4. Sur la dernière comme sur la première. On est bon? Est-ce qu'on est toujours en équilibre? Oui. 4, 3, 2, relâchez. Je fais demi-tour pour que ma jambe reste la plus proche de vous. Donc deuxième jambe, hein. Bien sûr. Je le redis. Pour être efficace au niveau des abdos, 4 pattes. Stable. Ça, c'est ma jambe gauche à moi. Ça, c'est mon bras droit. Il sert à rien. 2 et 2. En haut. En haut, en bas, en bas, en haut. Ouais. Un coup de talon vers le plafond. Quelle amplitude pouvez-vous donner sans bouger le dos, sans faire ça? On protège en serrant les abdos. Ça coupe un peu la respiration. Mais les abdos participent sur chaque série, sur chaque exercice, tous les jours. Rapide, lent. Stop. Il en reste 4. 4. 3. Bam. 2. On a versé. Lent. 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 Un petit peu plus de travail si on touche même pas le sol. Oui. Vous en voulez du travail puisque vous êtes là avec nous. Allez. 4. 3. Avec une bulle comme ça, ça donne envie de faire du fessier. Longtemps. On termine. 2 et 2. Montez, montez, en bas, en bas. Et vous êtes presque terminé. Presque terminé cet exercice. Et presque terminé la séance. 4 fois. Oui. T'es là. 4, 3, 2. Ok. Allez, nickel. Ce n'est pas totalement fini pour le fessier, le grand fessier. Venez vous mettre sur le dos. Allongez-vous sur le dos. On l'a vu dans l'édition précédente, la première. Ouais, du grand fessier. Là, je vais un peu plus d'amplitude, un peu plus de tension musculaire. Donc, on ne redescend pas dans le sol. On va aller chercher vers le plafond. Et on descendra juste au milieu. Allez, go. Montez, montez, milieu, ici. Montez, montez, milieu. Ça, c'est le départ. Montez, montez. La bonne nouvelle, c'est que je termine avec ça. Montez, montez. Il n'y a pas de mauvaise nouvelle. Ça va chauffer, on va travailler, on va transformer ses fessiers. Montez, montez. Tout en appui dans les talons. Montez, montez. Allez. Montez, montez. Allez, restez bloqué en haut. Stop. En appui dans les talons. Vous me serrez vos fessiers, vous me serrez les abdos. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Abdos, fessiers. Et là, c'est en jeu. 30 secondes. Petit. Allez, encore. Encore. On reste bloqué. Encore. Stop. Ça, c'est la première série de 30 secondes. Statique, petit, statique. On voit qu'on inverse. Petit, statique, petit. Quand vous redescendez, vous redescendez au milieu. Et vous repartez. Montez, montez. En bas, en bas. Allez, dites-vous que vous avez fait le plus dur. On termine. Encore, encore. 4 fois. 4. Deux. On repart pour une nouvelle série de 30 secondes. Petit, statique, petit. Petit maintenant. Allez, hop, hop, hop. Vous avez presque, presque, presque fini. Donc on lâche pas maintenant. Pas maintenant. 4, 3, 2. Restez loin. Vous allez sentir aussi dans le bas de votre dos. Ça travaille la fin de la sangle abdominale. Sous Clément vous parlez d'une sangle abdominale à 360 degrés. On travaille là aussi. C'est intéressant. Allez, petit, petit, petit,
Petit. Je finis avec ça. 4, 3, 2, 1. Redescendez. Attrapez vos genoux pour venir vous asseoir. Allez, nickel. Vous venez de terminer la troisième série de vidéos. Troisième cours, abdos fessiers. Il reste encore un. Bon, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un dernier cours. D'ici là, refaites l'entraînement, refaites les entraînements. Aimez, partagez, faites vivre le cours, la vidéo, la chaîne. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bon travail, bravo.